abram fuete me kama fuji sesa una meji me haunyina ra abaweni mo la pauvreté dans mon pays. Comme dans tous les pays, nous le voyons. Il y a la pauvreté dans mon pays, mais ce n'est pas, comme on dit, pauvre. Puisque dans tous les pays, on a trop pauvre, on a trop riche. Bon, ma famille, je dirais que côté de ma maman, là-bas, ils sont pauvres. Il n'y a pas d'argent pour se faire soigner. Et les gens mettent beaucoup dans les hôpitaux. Quand ils n'ont rien à manger, parfois. Bon, c'est ça qui fait la pauvreté du pays. Sinon, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas aussi... La Côte d'Ivoire était le pays le plus riche de tous les pays d'Afrique. Mais aujourd'hui, je pense que la crise a fait qu'il n'y a rien dans le pays. Et tout est devenu dur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les Ivoiriens, les jeunes hommes, les jeunes filles, sont obligés de sortir pour se chercher. Je m'appelle Ghetto Tina. Je suis de la Côte d'Ivoire, Abidjan. C'est la guerre qui a fait que nous avons voyagé pour venir au Liban pour pouvoir travailler, aider nos frères, notre mère et nos enfants aussi. Parce que c'est très dur dans le pays. C'est comme ça que nous sommes sortis pour venir travailler, pour ne pas demander à chaque fois aux gens. Puisque nous n'avons personne pour nous aider. C'est pour ça que nous sommes sortis au Liban pour travailler, pour pouvoir assumer à nos besoins. J'ai raconté un homme dans ma vie qui m'a aimé et que j'ai aimé aussi. Il s'est présenté à ma famille comme chez nous, dans nos coutumes en Afrique. Et on a vécu ensemble, on a fait un enfant. Dieu n'a pas voulu le décéder ainsi. Et l'enfant est resté dans ma main. Donc pour s'occuper de lui, je suis venue au Liban pour travailler. Pour pouvoir s'occuper de l'enfant. Mon projet à moi, c'est d'avoir une maison pour moi-même. Quand je regarde la maison, je sais que c'est pour moi, je ne dors chez personne. C'est mon projet. Quand je vois je sors du pays, je viens pour construire une maison, je les mets en louage, avoir une maison pour moi-même aussi, pour que je puisse dormir. C'est mon projet dans mon capital. C'est toutes mes pensées qui sont là. Parce que quand il n'y a pas de maison, c'est comme tu n'as rien fait dans la vie. Le projet de mon fils, pour mon fils, ce que je pense qu'il devient, c'est pour aller à l'école, étudier bien pour qu'il puisse avancer dans les classes supérieures et qu'il puisse travailler pour ne pas que... Je ne veux pas que mon enfant traîne dans les rues. Je veux qu'il réussisse dans ses études. Avoir de l'argent, le pousser pour qu'il puisse réussir dans sa vie. Partout dans le monde, Dieu a fait les pauvres, il a fait les riches. Mais seulement quand on a de l'argent, on a se souvenir des pauvres et les donner. Parce que les riches n'ont pas vécu la pauvreté. Donc pour eux, la pauvreté n'existe pas. Il faut qu'ils sortent pour voir comment est la pauvreté. D'autres aussi, ils voient, mais ils ferment les yeux dessus parce qu'ils ne veulent pas aider. Mama kuma, jamie mo.